Vous aimez l'exploration, les beaux paysages? Ben si oui, vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les plus beaux paysages du Quest 2. Restez là. Salut tout le monde, ici Ikmael et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le jeu Brings Traveler. Le jeu Brings Traveler, c'est un jeu d'exploration où est-ce que tu peux voir les plus beaux paysages sur le Quest 2. Je vous confirme que la compagnie qui a fait ce jeu-là, elle a optimisé les graphiques au maximum. Le jeu vous transporte dans plusieurs endroits à travers le monde, puis en plus, il vous informe sur les endroits où est-ce que vous êtes. Comme par exemple, admettons que vous allez au Grand Canyon, il va avoir des faits historiques pour vous en apprendre un peu plus sur l'histoire du Grand Canyon. Ce qui est très intéressant. Malheureusement, un petit bémol, c'est que l'explication des détails et toute la culture générale est faite seulement en anglais. J'aurais bien apprécié qu'elle soit faite aussi en français. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo très très courte. Je vais juste vous montrer personnellement les plus beaux paysages que j'ai vus et que j'ai observés dans ce jeu-là. Ça va durer 1 à 2 minutes. Ensuite, je vais vous transporter à la fin de ma vidéo où est-ce que je vais vous donner les détails du giveaway. Parce que oui, j'ai 5 copies du jeu à faire tirer dans le groupe MetaQuest 2 Québec. Donc, pour les détails, on se voit à la fin de la vidéo. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Brings Traveler. Avant de montrer tous les paysages, je vais vous montrer vite vite une interaction qui est vraiment le fun dans le jeu. C'est malade! Wow. The river continues this process today on its path towards the Grand Canyon, nearly 60 miles downstream. C'est magnifique. Wow. C'est tellement beau. National Monument, near the Arizona-Utah border. This alien landscape of swoops, spirals, rounded mounds and sharp cliffs covers nearly 1 square mile of secluded desert wilderness. Getting here is difficult and requires 40 meters. Mount Morrison towers over Convict Lake and Owens Valley below. Ça a pas de bon sens comment c'est beau. Des graphiques de même sur Quest 2, ça a pas de bon sens. Was formed during the ice, spilling down from the highest mountain in the contiguous United States, Mount Whitney. When climbing Mount Whitney on this route, this renowned among hikers and photographers for its colorful, undulating forms and deep. Oh mon Dieu, moi qui ai peur des hauteurs. Crystal crag rises above a pristine alpine lake adjacent to Mammoth Mountain. Wow, c'est magnifique. Situated in the heart of the Sierra Nevada range, on the southwestern corner of the Long Valley caldera. C'est incroyable. This region was shaped by volcanic forces. En plus avec des bruits ambiants. C'est tellement bien fait. The most breathtaking of them all. Artists and travelers. C'est malade. Est-ce qu'on peut se rendre dans le... Oh wow, on peut avancer dedans. C'est vraiment cool. Bon, sur ces merveilleux paysages, je vous renvoie à la fin de ma vidéo. Pour finir, j'espère que vous avez été aussi impressionné que moi par la qualité des décors et des graphiques qu'il y a dans ce jeu-là. Pour participer au giveaway, je vais mettre la vidéo dans une publication pour un giveaway dans le groupe Facebook MetaQuest 2 Québec. Pour participer, ça va être bien simple. Il va falloir aimer la publication et écrire Brings Traveler dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien direct vers la publication dans le groupe Facebook. Évidemment, il va falloir joindre le groupe Facebook pour pouvoir participer au tirage. Donc, merci énormément d'avoir écouté ma vidéo. Si vous avez aimé, je vous encourage encore une fois à vous abonner à ma chaîne. Puis, on se revoit pour un prochain tirage. C'était avec Maël et bonne journée.